Positive Radio, voici un zeste de découverte. Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être à l'écoute de Positive Radio. Les enfants ne savent pas toujours quoi faire pendant les vacances, alors voici un nouveau jeu qui est signé par des Lyonnais. Des cartes ludiques de la maison d'édition Octo pour jouer, les collectionner, qui s'adressent aux enfants de 6 à 12 ans. Plongeons dans l'univers fantastique et amusant de Wick et Wiza, deux petits extraterrestres malicieux qui évoluent sur la Terre. Voici les créateurs sur Positive Radio. Bien le bonjour à vous et à celles et ceux qui nous écoutent. Je suis Mickaël Lima. Comme pour mon associé, nous sommes tous deux concepteurs et illustrateurs de nos différents projets. J'occupe la présidence de notre société Octoco, étant surtout celui qui échange, contacte, conseille, pour que nos projets puissent aboutir et voir le jour. Bonjour, je suis Jean-Marc Pernet, concepteur, illustrateur. Je fais les sites, des vidéos d'Octoco, bref, tout ce qui est graphique. Mais nous travaillons en binôme sur tous les projets. Tiré de notre licence Ho'oponopono, nous avons décidé de créer un jeu où l'on ne se prend pas la tête. Qu'il ait des règles comprises de tous, simples, rapides, et qui donnent envie d'y rejouer. C'est surtout la demande de notre autre associé qui avait demandé une idée d'un jeu simple, rapide, efficace, avec une base bien connue de tous, donc qui ne connaît pas les bases de la bataille. L'enjeu était de faire de la bataille un jeu de cartes collectionnable. Et nous avons choisi 10 thèmes et tenté de trouver plusieurs objets qui s'y rapportent. On leur a rajouté des yeux pour leur donner vie. Puis, nous avons réparti leurs forces qui sont représentées par un nombre d'étoiles, allant de 1 pour les plus faibles et jusqu'à 5 étoiles pour les plus fortes. En gros, tu as un burger qui se bat contre le Père Noël et une raquette de ping-pong. Ben quoi, c'est la magie de Ho'oponopono. Chaque paquet contient 5 cartes. Chaque joueur mise au minimum 3 cartes qu'on mélange. Oui, ce serait bête de savoir à l'avance nos cartes. Ensuite, on les distribue à chacun, bien évidemment face cachée. Chacun prend une carte et les claque entre elles, puis les dévoile simultanément. Comme à la bataille, c'est à celui qui a la carte la plus forte qui remporte les autres. En cas d'égalité, c'est à celui qui criera « Whoop » le premier. Donc ce qui nous classe en fin de compte comme un jeu de collection, mais aussi un jeu de rapidité. Ho'oponopono Battle est disponible dans vos marchands de journaux. Mais pas que. On a aussi le plaisir de réaliser un produit copac, c'est-à-dire une pochette Ho'oponopono Battle avec deux sucettes de la marque Vidal. Et cela, dans les grandes enseignes de jouets. Vous allez aussi retrouver également la gamme, hein, donc Ho'oponopono Paf, qui est un jeu d'impulse, Ho'oponopono Mini et le classique, qui sont eux, deux jeux d'ambiance. Pour plus d'infos, il y a le site Ho'oponopono.com, mais le plus simple est de nous suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, et prochainement, des jeux concours à venir. On vous souhaite une très bonne journée sur Positive Radio. Merci de votre fidélité, à très vite sur Positive Radio.